Maïm Rabim lo yochlou le chabot et ahava. Des eaux tumultueuses, elles ne peuvent pas éteindre cet amour-là. Ashre azoche laze. Rabbi Nathan dit, heureux celui qui arrive à ça. Heureux celui qui arrive à ça. Que tu arrives à un moment où se déclenche un vouloir très très fort. Un vouloir très très fort de rapprocher de Dieu, de réaliser quelque chose. Et un vouloir énorme. Et ce vouloir-là, ça va te donner tous les moyens. Ça va t'enlever toutes les difficultés. Parce que toutes les difficultés qu'on a dans notre vie par rapport à des idéaux, c'est uniquement parce que le vouloir, il est pas assez. Des fois, il y a de la compréhension, tu vois. Des fois, tu peux faire tchouva par compréhension. Tu as compris que là où tu te trouves, c'est pas bien. Il faut que tu changes de vie, c'est pas bien. Tu as compris quelque chose. Mais c'est pas avec ça que tu vas construire ta vie. Pour construire, il faut vouloir. Ça ne suffit pas de comprendre quelque chose. Des fois, tu as compris que la Torah, c'est bien, que Hachem, ce qu'il te dit, c'est pour ton bien, etc. Tu comprends. Mais tu n'aimes pas. Ton cœur, il n'est pas encore dedans. Et maintenant, il faut que tu ramènes ton cœur. C'est ça qu'on veut. Quand on est sorti d'Égypte, on a compris des choses. On a vu des miracles, on a vu la force d'Hachem. On est sorti. Mais après, il faut que tu mettes ton cœur. Rabbeinu dit, il ne faut pas se rapprocher d'Hachem avec des miracles. Ce n'est pas avec les miracles qu'il faut se rapprocher d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il n'avait pas le droit de faire des miracles. Rabbi Nachman, il était interdit de faire des miracles. Parce que si Rabbi Nachman, il avait aussi des miracles, ça aurait été fini. Tandis que Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est le cœur. Il veut pas, les miracles, c'est visuel, c'est intellectuel, c'est pas le cœur. Quand tu vois des miracles, que tu as vu des miracles, c'est impressionnant et tout, ça te met en mouvement, ça t'enlève tous les désaccords qu'il y a en toi. Tu es d'accord, etc., tu fonces. Mais ce qu'on veut, ce qu'on attend, nous, c'est la suite. La suite, c'est que tu mettes ton cœur. Il ne faut pas t'arrêter là. Et pour mettre le cœur, ça coûte beaucoup plus cher. C'est l'histoire d'amour. Ouais, mais après, ça coûte plus cher. Parce que mettre le cœur, ça veut dire que tu ne le mets plus ailleurs. Donc, ça coûte plus cher. C'est un investissement qui est plus grand.